ton maquillage. Bonjour, nous sommes The Glossy Sisters. Salut. Nous sommes trois chanteuses normalement, il y en a une absente aujourd'hui. Projet vocal avec des compositions en français sur le nouvel album qui vient de sortir et qui s'appelle C'est pas des manières. Sur scène, on est accompagné d'un bassiste qui joue aussi du clavier et d'un batteur. Et les compositions sont pop, vocaliques et fun, solaire. Tes doigts le vide. Allez, rentre dans le rang et deviens leur modèle. Mais surtout parle moins fort, ne joue pas les rebelles. Ça m'évoque le morceau Toi aussi de l'album de C'est pas des manières, donc notre album, Toi aussi, c'est le dernier morceau. Et c'est un morceau un peu, on l'appelle le morceau gilet jaune, c'est un morceau un peu de ras-le-bol, mais assez sympa, c'est-à-dire que c'est ras-le-bol rigolo, quoi. Et on dit qu'on en a marre de tout, qu'on en a marre du boulot, qu'on en a marre des plafonds, qu'on en a marre... Des bouchons, voilà. Et donc c'est vrai que voilà, ça, la vie quotidienne, ça m'évoque ce petit morceau que vous allez tout de suite aller écouter maintenant. Donner. Bah ouais, on va donner avec ce spectacle. On est, j'espère qu'on sera généreuse avec ce nouvel album. Enfin, je pense que ça l'est, hein, parce que moi, ça m'évoque le soleil, l'énergie et toutes ces choses qu'on a envie de donner sur scène prochainement avec le CPDM Tour, C'est pas des manières Tour. Voilà, parfait. Alors, je pense qu'on a, ça évoque directement un morceau qui se trouve sur notre album et qui s'appelle Jalouse, qui est une reprise de Mademoiselle K, qu'on a réarrangée de fond en comble. Que dire de plus? Ça parle de jalousie, hein. Oui, mais ce qui est intéressant avec ce morceau aussi, comme on l'a tourné sur scène avec le travail de Florent Matteo, c'est que les filles qui... C'est Marion et Lisa qui chantent ce morceau. Et je pense qu'elles sont plus dans un état d'esprit de se partager leurs expériences de jalousie plutôt que d'être jalouse l'une contre l'autre. Et c'est intéressant comme nouvel angle, je trouve, qu'a amené Florent. Voilà. Ouais, à retrouver sur l'album C'est pas des manières. Voilà. On a beaucoup des souvenirs avec le premier spectacle qu'on a tourné pendant 5 ans, qui s'appelle Babillage, avec lequel on a sorti deux albums, Babillage, l'EP, de 6 titres, et le Babillage Live, qui est toujours disponible d'ailleurs. On en a fait des dates avec ça. Ouais, ça nous a mené jusqu'au Trianon l'an dernier, en 2018, aux côtés de Lisa Simone pour la soirée Jazz Magazine. Donc ça fait de sacrés souvenirs quand même. Et jusqu'à au passé le plus proche, c'est l'enregistrement de notre album qui sort en ce moment, qui s'appelle C'est pas des manières. On l'a enregistré à Lyon avec un réalisateur, on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Julien Jusset. Et on a monté notre label aussi pour arriver à faire cet album. Donc voilà, on a bien grandi. Alors aujourd'hui, notre album sort. Il est sorti la semaine dernière. On est vraiment très contentes. C'est un peu notre bébé. Dedans, il y a toutes nos compositions, nos textes, certains qu'on a coécrits. Oui, on a coécrit le morceau « Danse », par exemple, avec Sarah Mikowski, qui est une auteure lyonnaise qu'on connaît très bien. Un deuxième, « Laisse-moi choisir », le titre du morceau qu'on a coécrit avec JMZ. Mais le reste des compositions, c'est vraiment notre univers, notre bébé, et on le livre pour la première fois. Et puis sur cet album, on a des nouvelles sonorités qu'on n'avait pas avant. Donc on travaille avec un bassiste maintenant, basse électrique, avant on avait une contrebasse, un batteur, on a enregistré sur l'album des sonorités un peu atypiques, des percussions corporelles. Donc tout ça c'est de la nouveauté et c'est à découvrir le 27 novembre au Café de la Danse. Comme Lisa vient de le dire, on joue le 27 novembre au Café de la Danse pour la release party de notre album, C'est pas des manières. Et aussi il y a un clip qui va sortir bientôt, qui est un clip que vous aurez envie de regarder tous les jours, tous les matins, parce que c'est la fête, c'est la danse, c'est énergique, c'est solaire, solaire. C'est plein de sourires, et le clip s'appelle... Et tout le monde est beau dessus aussi. Il s'appelle Danse, voilà. Et c'est le premier morceau de l'album d'ailleurs. Et on a déjà sorti deux clips tout récemment, Sous tes doigts, qui est une de nos compositions, et Mon corps, qui est une reprise d'Ariane Moffat. Et on enchaîne avec le morceau solaire qui s'appelle Danse, qu'on a coécrit avec Sarah Mikowski. Et n'oubliez pas de nous retrouver à Lyon le 9 février pour la sortie d'album lyonnaise. Aussi. Et le reste des dates sur le site internet. Tout est écrit, évidemment. Rendez-vous sur le site internet. Tu l'auras ton empire ou tu seras la plus belle. Qui est-ce qui décide? Alimente le flux, mais pas ton corps. Ça demanderait trop d'efforts. Switch. Click.
clic, scroll, bats-toi pour ton trône. Queen du hashtag deviendra une icône.